Salut tout le monde, c'était Ocon, allez-vous écouter moi ça? Très très bien, comme d'habitude. On se retrouve pour un nouveau liquide destiné de rien du tout. Ça vient tout simplement de chez Flavor Drop. Ça va être le Grain Gravity ce soir que je vais vous présenter. Alors assis-toi, prends ton plus beau setup, prends toi même un petit café. Et c'est parti pour la présentation du Grain Gravity. Écoute, plus je parle, plus tu t'en fous également. Qu'est-ce que c'est que ce Grain Gravity? Bah écoute, Flavor Drop est très connu. Enfin, très bien connu, ils font quand même des bons liquides. Et sincèrement, je me tâtais H24 à les prendre. Et là, je me suis dit, ok, on part pour le Grain Gravity. Le Grain Gravity, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un liquide à base de fruits rafraîchissants, du kiwi. Voilà, tout ce que j'ai. Voilà. Vous avez une multitude de fruits avec un aspect ultra rafraîchissant. Mais la plus grosse pointe que vous trouverez au niveau saveur de ce liquide sera le melon. Pourquoi le melon? Je ne sais pas. Mais voilà, vous trouvez principalement du melon dans ce liquide, mais avec plein d'autres arômes différents. Pour l'avoir testé sur le Medusa, pour l'avoir testé sur un d'autres modes, et pour l'avoir testé sur l'Apocalypse, je trouve différentes saveurs, mais toujours avec une petite pointe de melon qui remonte tout cela. Alors écoutez, liquide de couleur vert alien, un petit alien est passé par là. Nous sommes sur une composition de... Tu ne sais pas, donc je vais te le dire, 60% de glycérine végétale, mon ami, pour 40% de propylène glycol, évidemment. Et tu t'es dit quoi? Bah que je vais le vaper, évidemment. Mais avant, comme d'habitude, on va sentir cet arôme, enfin ce juice. Alors, sincèrement, je ressens une multitude de fruits, mais vraiment rafraîchissant. Vous avez un peu cet aspect de glace, voilà, quand vous buvez une boisson assez fraîche, vous avez cet aspect vraiment rafraîchissant et là on le ressent dedans. Pour moi, quand on le sent, on a plus une saveur de kiwi. Ouais, vraiment kiwi. Kiwi, kiwi banane. Ouais, pas fort du tout, mais on a un petit aspect kiwi banane. Alors écoutez, on va se le juicer. Oui, je sais, mon coton est à changer, mon coton est médiocre, je le sais bien. En 3 mg de nicotine, mais ça tu ne sentiras pas le hit. Hop, je remets ma cloche. Je vais mettre mon potard un peu plus bas. On a une très bonne vape. Enfin, on a un très bon ressenti vapeur. Avec, oui, réellement cet aspect de melon très très bon. Cet aspect de fraîcheur pour un liquide d'été, c'est le feu, sincèrement. Kiwi, banane... Un peu d'ananas, je ne sais même pas s'il y a de l'ananas dedans, mais on ressent un peu d'ananas. Vraiment, c'est un milkshake de fruits exotiques qui est vraiment pas dégoûtant. Si vous recherchez un liquide fruité, exotique, frais, foncez là-dessus. Vous pouvez le tester partout, il y en a dans tous les shops. Taclop, Vapostore, Bébé Clop, Arôme et Liquide. Vous le trouvez entre 5,90€, 6,90€, ça dépend des magasins, ça dépend des sites internet également. On est sur une bonne densité de vapeur, j'adore, sincèrement, très bon liquide, vraiment frais. Le matin, je peux pas le vaper parce que j'ai encore la tête dans le cake, donc je ne peux pas, mais pour l'après-midi, voire pour le soir, ça passe très bien avec des potes, c'est vraiment nickel. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, oui je sais, c'est très très court, oui malheureusement, mais on se retrouvera pour une autre vidéo, t'inquiète pas pour ça mon ami, je suis en train de faire le plein de vidéos. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos de vape, de matos, de revues, de blabla, un peu tout ci, un peu tout ça. On se retrouvera également en description pour voir le ressenti complet de ce liquide, et je vais juste faire un copier-coller d'un site internet, t'inquiète pas. On se retrouvera également pour le site Arôme et Liquide, c'est le premier site où j'ai vu qu'il commercialisait ça, donc Arôme et Liquide, si vous voulez acheter autre part, achetez autre part, je m'en fous, je ne suis pas en partenariat avec eux, loin de là. Et on se trouve également sur les réseaux sociaux. Une petite barre, comme d'habitude, comme le dit monsieur N des Pampans. Bisous à toi Pascal. Je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite une très bonne vape et un très bon juice. A très bientôt, c'était Théo. Peace.